faut que le peuple de Guinée voit, à l'image du Front National pour la défense de la Constitution, les citoyens guinéens en Europe, en Allemagne, en Belgique, en France, en Angleterre, nous sommes mobilisés pour que la Constitution ne soit pas touchée, pour que M. Alpha Condé n'aille pas au-delà de son mandat. Nous n'allons pas baisser les bras parce que c'est une question de vie. Et le peuple de Guinée a le droit à sa liberté, a le droit de vivre. Je vous remercie. Chers internautes du Guépard.net, bonsoir. Nous sommes ce samedi ici à Villejuif à la troisième rencontre des forces vives reconstituées ici en France. Aujourd'hui, il y a la présence de hautes personnalités puisque nous avons avec nous Madame Marie-Madeleine Dubaté, candidate à l'élection présidentielle de 2010. Madame Dubaté, vous avez été parmi les forces vives aujourd'hui. Vous avez assisté à la réunion. Qu'est-ce qui vous motive et quelles sont vos impressions? Qu'est-ce qui me motive? Aujourd'hui, j'ai assisté à la réunion des forces vives pour soutenir en fait l'action qui est en train d'émerger aujourd'hui, qui est en train de se créer. Nous voulons créer un front pour la défense de notre Constitution, pour dire non au troisième mandat, pour dire non à toute tentative de révision constitutionnelle, pour dire non tout simplement à une nouvelle République. Nous ne voulons pas être dirigés par un pays où va émerger une nouvelle dictature. Nous voulons avoir aujourd'hui un pays qui respecte sa constitution. Nous voulons avoir des institutions fortes. Nous voulons que la Guinée devienne un vrai pays émergent. Et nous ne pouvons pas continuer aujourd'hui à travailler avec des gens qui violent les lois. Nous voulons aujourd'hui demander le départ du président s'il persiste dans sa volonté de vouloir faire un référendum ou de vouloir changer la constitution. Voilà, madame, je vais quand même profiter de l'objectif du Guépard pour vous interpeller sur cette question, parce que vous avez des Guinéens aujourd'hui qui se disent, voilà, ils veulent qu'on se batte contre un troisième mandat, mais en même temps, il y a quand même des partis qui sont dans le front de la défense de la Constitution, qui ont quand même des députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Vous, quel est l'appel que vous pouvez lancer à ces gens-là? Moi, ce que je dirais aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le mandat des députés est échu et que normalement, les députés ne devraient pas siéger. Après, chaque parti est libre de choisir de participer ou pas. Personnellement, je suis contre parce que je pense qu'en participant à l'Assemblée nationale, on légitime le pouvoir du président de la République et aujourd'hui ce pouvoir est contesté. Maintenant, ce que moi je dirais en tant que Guinéenne, en tant que citoyenne, pas en tant que chef d'un parti politique, mais réellement en tant que citoyenne, que nous devons défendre nos institutions, que nous devons défendre notre patrie parce que la patrie est en danger. Et j'appelle tous les citoyens guinéens à s'unir aujourd'hui, quelle que soit leur couleur politique, quelle que soit leur divergence, quelles que soient leurs opinions politiques. Il faut aujourd'hui s'unir pour avoir des institutions fortes. Ce sont des institutions fortes qui permettront à notre pays d'avoir des hommes d'affaires qui viendront demain investir dans notre pays. Sans institutions fortes, aujourd'hui, notre pays est considéré comme une république bananière. Je suis d'ailleurs surprise que nous ayons un président qui a été professeur de droit, qui essaie de violer la Constitution. Et je demande solennellement même au président de la République de ne pas se faire manipuler, parce qu'il est manipulé. Je pense qu'il est manipulé. Il y a des personnes derrière qui ont intérêt à pérenniser en fait ce pouvoir, et ces personnes-là pillent notre pays. Alors, si le président a un sursaut de nationalisme, un sursaut où il dit qu'il aime vraiment la Guinée. Alors j'appelle le président à déclarer clairement, comme l'a fait le président du Niger, comme l'ont fait d'autres, de dire qu'il ne se présentera pas pour mettre fin à tous ces problèmes, parce que ces problèmes aujourd'hui peuvent conduire notre pays à l'instabilité, à la paix sociale et même à la guerre civile. Voilà, chers internautes, toujours en marge de la réunion des forces vives et dans la récapitulation, si vous voulez, de l'avis des personnes ressources présentes à cette réunion. Nous avons ici M. Abdoul Baldé qui n'est plus à présenter aux fidèles internautes. M. Baldé, vous vous êtes toujours battu. Le combat continue malheureusement, très malheureusement. Vous êtes aujourd'hui à la réunion. Quelles sont vos impressions?
avant tout, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m'accordez. Mes impressions, c'est que les Guinéens savent rebondir. Nous allons rebondir, nous allons nous battre contre cette autre tyrannie pour éradiquer complètement et pour toujours ce système. C'est un système qui est là depuis 1958. M. Alpha Condé reconduit toujours les mêmes hommes. Mais nous pourrons revenir là-dessus dans une intervention que je ferai peut-être avec vous. Et je suis très fier, très heureux de voir que nous avançons à petits pas, mais ce n'est pas de géant pour nous, parce qu'il faut chasser M. Alpha Condé à tous les moyens. En tant que personne ressource, M. Baldé, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des doutes. Il y en a qui se disent, bon, on va quand même se battre pour la Constitution en attendant une grande partie des gens qui nous appellent à défendre la Constitution ont leurs députés à l'Assemblée nationale. Quel appel lancez-vous à ces gens qui raisonnent de cette façon? C'est toujours la même chose. C'est le système, j'ai dit. Si les députés ont jugé utile d'aller siéger alors qu'ils ne sont plus, ils n'ont pas été élus par le peuple, c'est fini. Leur mandat est échu. C'est de combattre les mêmes gens. Parce qu'ils veulent permettre donc à M. Alpha Condé, par ce glissement, de glisser aussi. Ça, nous ne l'accepterons jamais. J'en avais déjà parlé. C'est le mandat. Justement, ma question, c'est de savoir, est-ce que parce que cela se passe, on doit se démobiliser? Est-ce qu'il ou la mobilisation doit continuer? Au contraire, la mobilisation doit être encore plus forte. Parce que si nous baissons les bras maintenant, c'est un champ ouvert à M. Alpha Condé. M. Alpha Condé doit dégager. Si les députés persistent, il faut les dégager. Il n'y a pas d'autre alternative. La Guinée ne les appartient pas. La Guinée appartient à tous les Guinéens. Ils ont été élus. Leur mandat est échu. Ils n'ont pas le droit de siéger. Parce qu'ils donnent une caution à M. Alpha Condé de continuer à vivre à ses couturières. Voilà. Il faut les combattre comme on a combattu M. Alpha Condé. Ça sera entendu. Merci, M. Diallo. Merci. À bientôt. Merci. Voilà, chers internautes. Toujours à marge de la réunion des forces vives qui se tient même ici à côté dans cette salle, nous continuons à prendre l'avis de personnes ressources présentes à cette réunion. Nous avons avec nous un juriste confirmé. Voilà, nous avons ici M. Ibrahima Sori Makanera qui n'est plus à présenter. M. Makanera, vous avez pris part à toutes les réunions. Aujourd'hui, quelles sont vos impressions? Mes impressions sont bonnes. Le groupe se renforce, les forces vives, les nouvelles forces vives des Guinéens de France se renforcent. Les têtes qui ont mené le combat lors de la première force vive sont désormais présentes. Nous avons largement fédéré et je reste certain que la manifestation qui suivra sera une manifestation réussie. Et je profite de cette occasion de demander aux Guinéens de France de se mobiliser comme ils savent le faire pour manifester notre mécontentement face à ce qui se passe en Guinée. Et le jour de la manifestation, leur sera communiqué dans un bref délai. Voilà. Je voulais vous... Parce que vous avez parlé des Guinéens de France, est-ce que c'est une seule manifestation ou c'est une série de manifestations qui va être organisé jusqu'à ce qu'il y ait gain de cause? Et ma deuxième question est de savoir, est-ce que c'est seulement en France ou bien ça va être un petit peu partout en Europe, M. Makanera? D'abord, notre objectif, c'est qu'il y aura plusieurs manifestations. Nous allons manifester jusqu'à ce qu'Alpha Condé quitte. Il a suffisamment violé la Constitution pour tomber sous le coup de l'incrimination de haute trahison. Mais comme les institutions guinéennes sont toutes défaillantes, il revient désormais au peuple de Guinée de prendre son destin en main et ça, nous allons le faire par les manifestations. Nous allons manifester tant qu'Alpha Condé est au pouvoir en Guinée, tant que l'ordre constitutionnel n'est pas rétabli, donc avec la gouvernance d'une autre personne, lui étant disqualifié, je parle d'autodisqualification, et aussi nous sommes en concertation avec beaucoup de Guinéens d'Europe qui sont dans d'autres pays, qui se mobilisent. Les prochaines semaines nous permettront de voir que les Guinéens se mobilisent pas seulement en France, mais dans beaucoup d'autres pays européens. C'est un combat d'intérêt national que les Guinéens sont déterminés à mener jusqu'au bout. On n'a pas le choix. Okay. En tout cas, merci beaucoup, M. Makanera. Merci, M. Diallo.
Internaute, à marge de la réunion des forces vives et dans la récapitulation de l'avis des personnes ressources, nous avons ici M. Colli, président du parti PPDG et membre de la troisième dynamique. Ça fait quand même la deuxième fois qu'il vient à cette réunion. M. Kandé, vous avez vous aussi assisté à cette réunion. Aujourd'hui, quels sont vos sentiments? Bon, les sentiments sont très bons. Merci pour les internautes de la grande chaîne de Guépard et qui fournit du déménage aucun effort pour que franchement le communication passe. Et je dirais que les sentiments sont bons parce que nous avons compris par là que les Guinéens sont debout, ils ne donnent plus. La conscience est là, il y a l'éveil de conscience, surtout au niveau de la jeunesse dont nous sommes, dont nous représentons. Et c'est pourquoi, lors de cette réunion, nous avons salué l'initiative de la déclaration du Front National pour la défense de la Constitution, et qui a déjà donné le ton à Conakry. Nous allons prendre ici le relais dans cette même dynamique pour prouver à ces autorités aujourd'hui que nous avons déjà qualifié ici comme si étant des violeurs de la Constitution actuelle. Et dans ce sens, je pense que cette réunion, cette rencontre a débouché sur une manifestation qui sera organisée et dont la date vous sera communiquée ultérieurement. Mais déjà, nous appelons à la mobilisation car c'est une urgence nationale. Nous devons tous nous lever pour défendre cette Constitution parce qu'aujourd'hui, nous avons une obligation morale, une obligation nationale et même internationale pour défendre cette Constitution aujourd'hui qui nous a permis pour une première fois d'avoir dans notre pays un président issu d'une opposition farouche qui a longtemps lutté, surtout en arrachant le pouvoir dans la main des militaires qui sont venus au pouvoir depuis 1984 et dont nous avons eu la chance en 2010 qu'ils nous donnent ce pouvoir à travers les urnes, à travers des élections organisées dans le cadre d'une transition, que c'est pour nous un opposant historique à l'époque qui a eu la chance de gouverner, de prendre le relais, le destiné de ce pays jusqu'à aujourd'hui, et sur la base d'une constitution qui a été un consensus de tous les Guinéens pour nous permettre franchement de respecter nos institutions qui ont été mises en place. Donc dans ce sens, cette réunion a une importance capitale parce que dans les jours à venir, nous allons appeler à la grande mobilisation partout en Europe pour que le professeur Alpha Condé et ses promoteurs d'un référendum, moi je dis un référendum parce que je ne veux pas faire l'erreur d'un troisième mandat, il n'est plus dans une dynamique de troisième mandat, mais plutôt un référendum qui va lui permettre de s'éterniser au pouvoir. Donc nous allons lutter farouchement contre ce projet et je pense aussi que les Guinéens sont à l'écoute et merci pour tout ce que vous faites. Voilà, chers internautes, je disais tantôt, à marge de la réunion des forces vives, nous avons une personne ressource ici présente. Nous avons ici M. Ousmane Baldé. Ousmane Baldé est membre de l'UFD. Je voulais dire UFR, tout à l'heure. C'est un peu cher. Ouais, UFD, d'accord. C'est bon? Voilà, chers internautes, comme je l'ai dit tantôt, à marge de la réunion des forces vives, nous avons une personne ressource présente ici à cette rencontre. Nous avons ici M. Ousmane Baldé. Ousmane Baldé est membre de l'UFD. Voilà, c'est un véritable combattant. Il est là, on ne peut pas ne pas lui tendre notre micro. Monsieur Baldé, vous avez été à la réunion des forces vives. Qu'est-ce qui vous motive et quelles sont vos impressions? Ce n'est pas un problème de motivation, c'est un problème de survie. Parce qu'en effet, nous avons soutenu, nous avons travaillé dans les forces vives et nous avons obtenu des résultats. Et malheureusement, ces résultats ont été détournés par des gens, on ne va pas les nommer parce que ça ne sert à rien aujourd'hui. Et on s'est trompé. On s'est trompé lourdement et on a installé des gens qui finalement n'étaient pas intéressés par le devenir de la Guinée, par le développement de la Guinée, par la démocratie en Guinée. Et aujourd'hui, à notre âge, on devrait se reposer, on se retrouve à devoir à nouveau repartir dans les marches. C'est vraiment extrêmement douloureux, extrêmement malheureux. C'est tout ce que j'ai dit par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a quand même des doutes qui s'installent parce que dans
les forces vives, il faut l'appeler ça comme ça, il y a des partis politiques dont les députés continuent à siéger. Mais vous, quel est le message que vous avez à passer pour, si vous voulez, booster ou pour doper la mobilisation, pour dire aux gens de sortir du doute qu'il y a quelque chose qui est en cause et qui est commun à nous? C'est très difficile à en parler parce que, bon, nous ne sommes pas présents à l'Assemblée, donc nous ne connaissons pas les conditions de travail et qu'est-ce qui est... Bon, eux disent que s'ils n'étaient pas là, que la mouvance aurait réussi à faire passer sa loi sur la Constitution à l'Assemblée. Sincèrement, je ne sais pas, je ne peux pas en juger parce que je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Comment dire, pour mobiliser par contre les Guinéens, je pense qu'aujourd'hui la situation est telle, j'en reviens, la situation est telle que si à nouveau les gens, nos leaders, font passer la Guinée avant leurs intérêts personnels, il y a des chances qu'on s'en sorte. C'est ce que je pense. Vous avez compris le message, hein? Il faut mettre l'intérêt personnel de côté et voir la Guinée, c'est ce qui est important. C'est un excellent message. Merci, M. Ba. Allez. Voilà, chers internautes, toujours en marge de la réunion qui se tient ici à l'instant même des forces vives, nous avons ici M. Amadou Diallo, membre fondateur de l'UFT. Malheureusement, très malheureusement, ce sont des gens qui ont manifesté pour l'avènement d'une Guinée meilleure. Mais ils ne sont pas encore fatigués, il est là, vous le voyez, et il a assisté à toutes les réunions. M. Diallo, quelles sont vos impressions? D'abord, je commençais par dire que ma déception, parce que vu mon âge, j'aurais dû m'occuper d'autre chose que de la politique actuellement. Effectivement. Mais vu la situation dramatique dans laquelle la population guinéenne vit, et vu les derniers événements, la destruction de Caporal, et tout ça m'empêche de dormir. Donc, quelle est la photo? Donc, ce qui me ramène ici, c'est encore remettre le système qui a combattu le militaire et le système qui est en place, remettre ça encore en place pour que la Guinée se débarrasse de ce système qui gangrène la société guinéenne pour faire une Guinée meilleure où tous les Guinéens et tous les amis de la Guinée peuvent, venir vivre en Guinée pour reconstruire la Guinée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, faire une fondation. Je ne dirais pas la fondation, la refondation, mais la fondation d'une véritable république démocratique où la société guinéenne aura un véritable ciment pour consolider l'unité nationale, sans laquelle on n'ira nulle part. Ça, c'est deuxièmement. Et troisièmement, tout ce qui va retarder la démocratisation de la société guinéenne retardera le développement économique. Tout ce qui va retarder le développement économique retardera le progrès social de toute la population guinéenne. Et je vous remercie. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Elage, d'avoir accepté quand même de répondre aux questions de l'objectif du débat. Merci beaucoup. Je vous remercie. Voilà, chers internautes, nous sommes avec Dr Alioune Sankon. Dr Alioune Sankon, vous avez quand même pris part à toutes les réunions des forces vives reconstituées. Aujourd'hui encore, le Guépard vous tend son micro et son objectif. Quelles sont vos impressions? Merci, monsieur le journaliste. Mes impressions par rapport au troisième mandat du gouvernement actuel, j'en suis vraiment sidéré. Et ça me prouve en conséquence et en raison absolue que le noir n'évolue pas au niveau de la maturité intellectuelle. Au niveau de la maturité intellectuelle, les Blancs nous ont toujours traités comme des gens immatures. Des gens qui ne réfléchissent pas, des gens qui ont la tendance de mentir, de dire le contraire de ce qu'ils ont dit avant. C'est la preuve que nous avons aujourd'hui avec l'actuel gouvernement. Ce gouvernement a pris deux fois serment devant le peuple de Guinée, un peuple assoupli, un peuple obéissant, respectueux vis-à-vis de son président en 2010 et en 2015. Ce même serment
qui disait le respect de la constitution guinéenne. Et le noir étant tel, comme le jugement qu'on nous a attribué depuis le 19e, les blancs nous ont attribué depuis le 19e siècle, vient se répéter. Le monsieur en tête de ce gouvernement veut changer la constitution à son détriment, à son intérêt, à l'intérêt d'un groupe oligarchique, un groupe égoïste. Donc ce qui veut dire que nous lançons un appel, à savoir qu'il y a trouvé un peuple uni. La Guinée est une famille. Il n'y aura pas d'affrontement, monsieur le chef du gouvernement, en Guinée. Vous allez comprendre qu'au moment opportun, ce peuple se lèvera comme un seul homme et se dressera contre toute tentative de modification de ce référendum, de cette constitution guinéenne. Vous êtes entouré d'une minorité, des gens qui ne peuvent même pas gouverner ou éduquer, voire organiser un département comme la Basque. C'est dommage, je suis vraiment dans le regret, je l'ai dit tantôt la dernière fois, que je n'y pense pas. Mais j'attends votre dernier mot par rapport à ce problème de modification de la Constitution. Nous vous attendons. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Alioune Tsakon. Voilà, chers internautes, nous sommes ici avec M. Diamba. Il était là lors de la dernière réunion. Il vit au Royaume-Uni, mais il est aussi déterminé à défendre la constitution de son pays. C'est un acte purement patriotique. M. Diamba, vous avez pris part à cette troisième réunion. Aujourd'hui, quelles sont vos impressions? Mon impression aujourd'hui, je vois déjà une réussite du mouvement. Les manifestations qui sont prévues seront vraiment d'une réussite inimaginable. Et je compte à appeler tous mes confrères guinéens et guinéennes à joindre ce mouvement. Certes, la constitution a été violée par l'Assemblée nationale d'avoir accepté de siéger à l'Assemblée, par les membres, les partis politiques, d'avoir accepté de siéger à l'Assemblée nationale. Mais si nous ne nous levons pas ensemble, nous travaillons main dans les mains, c'est cette violation de la constitution qui va être légalisée par la nouvelle constitution. Lèvons-nous ensemble, mettons nos différends et nos égaux de côté, protégeons la constitution, elle nous appartient tous, et vive la Guinée, vive l'unité, vive la jeunesse. Monsieur Diamba, cette question, je l'ai posée tantôt à Madame Madeleine Dubaté. Nous sommes dans une dynamique où l'union est sacrée. Est-ce qu'il faut aujourd'hui continuer à voir les partis dont les députés continuent de siéger alors que leur mandat est en péremption? Ou bien quel appel vous avez à lancer à des gens qui sont dans le doute pour les booster, les doper à ce qu'ils défendent vraiment cette constitution? Quel appel vous lancez? Moi, je lance un appel à tous les jeunes Guinéens conscients. Le danger qui nous guette à l'heure là, il faut que nous nous levions, qu'on empêche Alpha Condé à aller au-delà de 2020. Peu importe que la constitution soit modifiée, que peu importe qu'il fasse un référendum, il ne faut pas qu'il aille après 2020. Parce que tous les pouvoirs, tous les présidents qui ont précédé le président Alpha Condé sont restés au-delà de leur mandat. Donc notre génération, si on arrive et on arrivera à l'empêcher à aller au-delà de 2020, le prochain président, qui qu'il soit, n'osera pas nous mettre ça devant. Et une modification de constitution. Donc le combat, c'est de l'empêcher d'aller au-delà de 2020 et nous gagnerons ce combat parce que nous sommes déterminés, nous pouvons mettre notre vie à risque pour défendre la constitution et défendre le peuple. Merci beaucoup, monsieur Diamba. Merci à vous. Et bon retour à Londres. Merci. Merci. Merci à vous. Voilà, chers internautes, toujours dans la récapitulation de... Voilà, chers internautes, toujours dans la récapitulation de l'avis des personnes ressources présentes à cette rencontre, nous avons ici le jeune Mohamed Fadiga, qui est le représentant du Front National pour la Défense de la Constitution de M. Sano. Vous avez assisté à cette rencontre, Monsieur Fadiga. Quelles sont vos impressions et qu'est-ce que vous avez à dire aux Guinéens? Écoutez, merci de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer avec vous. Et la thématique d'aujourd'hui, elle est tellement importante, à tel point que je l'ai dit ici tout à l'heure, que la meilleure constitution au monde ne suffira pas à faire le bonheur d'un peuple, mais la mauvaise peut faire son malheur. Ceci dit que le fondement juridique que nous défendons ici aujourd'hui,
qui est la constitution du 7 mai 2010, quand on essaye de faire une étude comparative avec les différentes constitutions que la Guinée a connues depuis son indépendance, à mon avis, du point de vue juridique, elle est la meilleure constitution. Parce que, vous savez, l'objectif d'une constitution, c'est de garantir les droits fondamentaux et définir les rapports que les différents pouvoirs constitués entretiennent entre eux. Et sauf que quand nous essayons de regarder le contenu des différentes constitutions, nous nous rendons compte que la plupart des constitutions que la Guinée a connues reconnaissent les droits fondamentaux. Mais aucune de ces constitutions n'a mis en place les mécanismes juridiques qu'il faut pour garantir les droits fondamentaux. C'est la constitution du 7 mai 2010 qui a mis en place un mécanisme juridique visant à rendre effectif la jouissance de nos droits fondamentaux. Et on reproche à cette belle constitution qu'elle n'a pas été adoptée par la voie référendaire. Sauf que les constituants n'ont pas été bêtes. Dans la première mouture de la constitution du 7 mai 2010, quand ils ont adapté la constitution, et ils avaient dit que celui qui sera élu comme président de la République aura un délai de 6 mois pour faire adopter la constitution par la voie référendaire. C'est ce qui n'a pas été fait par le professeur Alpha Condé. Il ne peut pas remettre aujourd'hui en cause la légitimité de cette constitution. Parce que c'est sur la base de cette constitution qu'il tire la légitimité de son pouvoir. S'il remet en cause la légitimité de cette constitution, ça voudra dire que le pouvoir qu'il a est un pouvoir illégitime. Et ce qui peut nous conduire à une instabilité à la fois politique et institutionnelle. Ah. En tout cas, voilà, vous avez écouté, monsieur Fadiga, la meilleure constitution ne suffira pas pour, du monde ne suffira pas pour faire le bonheur de tout le monde. Mais la mauvaise peut faire son malheur. Voilà. Donc, lèvons-nous et défendons notre constitution. Merci. C'est très important. Merci, monsieur Fadiga. Merci, merci, mon grand frère. Ouais, merci beaucoup. C'est qui le vote? Tu blagues avec nous. C'est pas celui-là qui prend les photos. C'est pas...